Wesh les Wolfcrew, c'est The Snow Wolf et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs le début d'un nouveau let's play ou plutôt série de let's play sur les Batman Arkham. On va commencer par Arkham Asylum, donc le premier qui est sorti mais qui n'est pas le premier dans la chronologie. Et on va se faire un petit let's play comme ça sur... petit, je dis ça comme ça mais ça risque de durer assez longtemps sur Batman Arkham Asylum. Donc on va commencer tout de suite. Je précise quand même que... Attendez, je crée une nouvelle sauvegarde. Je précise quand même que le jeu risque de laguer parce que j'ai pas un PC de ouf non plus. Voilà, ça devrait être bon. Sous-titres, oui. En facile, je ne suis pas non plus un taré au niveau de... du PGMisme, hein, on va dire comme ça. Donc c'est parti. Tellement intéressant. Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est Directeur Chat. Bowles. Hé, hey, Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, la clôture. J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Ah, ça a bugué. Vraiment, ça ne me dérange pas de marcher. Pas si serré, voyons! Attention à mon costard! Débarrassez-moi de ce dégénéré! Directeur, quelque chose cloche. Je vais le suivre. Hop, petite sauvegarde. Voilà, ça devrait être plus... On devrait mieux m'entendre maintenant. Le commissaire Gordon est là? Oui, monsieur, il vous attend en bas, au transfert des patients. Il vient juste d'arriver. Sharpie aime ses caméras. Hé, hey, Sharpie, tu filmes mon bon profil. Mais ils sont tous les deux beaux, hein? Je veux qu'ils soient solidement enfermés derrière les verrous. Regarde toute cette nouvelle sécurité. Comment un gars pourrait-il s'échapper de là? Je vous préviens tout de suite, j'ai déjà commencé un peu de mon côté, mais je suis pas allé très très loin et j'avais déjà filmé cette vidéo, mais l'audio avait été corrompu. D'ailleurs, 2 secondes, hop, paf, voilà, normalement ça devrait être bon. L'audio ne sera pas corrompu cette fois. C'est parti. Patients à l'accueil des soins intensifs. Le personnel non concerné doit quitter la zone. Ça fait toujours du bien de retourner dans ma petite HM. D'accord.
J'ai pas tout compris. Je crois qu'il a dit assiette d'art. Oh là. Tunnel plein. Analyse. Préparation du scan. What? Vous savez quoi? Je préférerais ce bon vieil examen des orifices corporels. Beaucoup plus intime. Il y a plusieurs objets interdits. Je veux qu'on refouille le Joker. C'est pas le patient, c'est... Oh! Qu'est-ce que tu as là, Batman? Allez, dis-moi, Batarang, Batgriffe, Batbouffe. Le Joker est OK. Ouvrez la porte! Faites-le sortir de là! Je veux qu'il soit en permanence en jour. Gardez-le constamment à l'œil. On aura assez de temps pour toi plus tard, Cash. En parlant de temps... Tic-tac, tic-tac... C'est un crocodile que j'entends. What the fuck? Programmez-moi un rendez-vous à 16h. On a beaucoup de retard à rattraper. Ok. Restez derrière. Bonjour, cher patient. Ici Quincy Sharp. Directeur de l'asile d'Arkham. C'est mon émission préférée. Je suis un directeur idiot. Vous vous échapperez jamais. Superbe institution. Peu de gens imaginaient qu'elle deviendrait le premier centre d'évaluation et de réhabilitation pour criminels pathologiques. Sur cette petite île de la baie de Gotham, notre équipe de psychiatres et d'experts médicaux fera tout ce possible pour vous guérir. Joker! Vous savez, pour Blackgate, patron? Joker! La ferme! Yo! À plus, patron! La ferme! Franchement, l'état des installations électriques de ces établissements fédéraux est consternant. Mes hommes auraient pu être blessés dans cet incendie. Je n'ai qu'à aller voir votre prisonnier, officier Bowles. Je m'en fous, mais dépêchez-vous! On suit la procédure. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les deux dernières heures. On dirait qu'il... Oh! Oh! Ah! Besoin de prendre ma température, je serais ravi de baisser mon pantalon. Il est tout à vous. Sortez-le de là. C'est bon. Ouvre la porte. Alerte aux soins intensifs. Patient de catégorie 9 en transit. Système de vérification activé. Permission de tirer pour tuer accordée. Vous avez entendu la dame? Un autre dingue est en route. Vous sentez cette excitation dans l'air? Non? Ça devait être l'un des gardes alors. Croc, mon vieux, c'est toi! Ah tiens, tout à l'heure il a dit qu'il entendait un crocodile, bah le voilà. Préparez-vous. Il faut le tenir en joue constamment. Il semble curieux. Clear croc. Il a les mains. Que fait-il? Je connais ton odeur, Batman. Je augmentez te la puissance du palais. Mettez cet animal sous contrôle. D'accord, je vais. Sortez-moi ça de là. Un collier bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiquerai. Je te mangerai les os. Ça me fait penser. Il me faut vraiment de nouvelles choses. Bon, c'est parti. Il parle de chaussures. Ah, je viens de comprendre. Chaussures en peau de crocodile. Mais il parle de chaussures alors qu'on est en train de le tenir en joue et de. Venez bon. Et de. Comment ils ont pu laisser Batman passer la super nuit. Pour une fête. Pas là où tu vas. On a le temps, Batou. J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Au fait, tu ne trouves pas étrange que l'incendie de Blackgate ait entraîné le transfert d'une centaine de mes hommes jusqu'ici? Je croyais t'avoir dit de rester tranquille. Oh, Frankie, faudrait vraiment apprendre à la fermer. Ça peut attirer des ennuis. Dis-moi un peu, je ne t'ai jamais coincé si facilement. Qu'est-ce que tu cherches, en fait?
Oh, pas grand-chose. La mort horrible d'une centaine d'âmes. Toutes ces vies insignifiantes trouveront une fin terrible. Grâce à toi et à des allumettes. C'était ce que tu voulais entendre ? Tous les patients devraient éviter tout contact avec les détenus de la prison de Blackgate. Leur présence. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne bouge pas. Il faut une torche ! Il faut l'éclairer ! Oh. Une présence dans notre institution est temporaire. Quoi ? Tu ne crois pas ? Non, tu ne crois pas ! Considéré comme dangereux, et vous ne devez pas vous en approcher. Et là. Code Alpha Rouge, aux étages inférieurs des soins intensifs. Tu es revenu. Tu as tué 3 de mes gars quand tu t'es échappé. 3, c'est tout ? Je ferai bien mieux la prochaine fois. On parie une centaine ? Dure nuit, Jim. Ah, le Joker a osé envahir la mairie et il retient le maire en otage, me laissant la tâche de gérer les équipes de choc, les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée nuit. J'espère que ce sera la dernière avec lui. Ouais, c'est ça. On ne passe pas. Désolé, Batman. Notre man. Réservé au personnel d'Arkham. Je vous assure, s'il y a bien quelqu'un de qualifié... Écoutez, j'apprécie cette aide, mais il déstabiliserait les patients violents. Je crois bien qu'il parle de toi. Atou, ne fais pas... ton timide, tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je t'ai manqué. Est-ce que ça va? Il s'est rendu presque sans combattre. Je n'aime pas ça. Au moins, il a retrouvé sa place. Alors attendez, le commissaire Gordon... Ça veut dire que ça se passe... Batman est assez vieux aussi. Donc ça se passe pas, le Joker est libre. Alertez le directeur. Dépêchez, on est en train de le perdre, Doc. Ça se passe pas en même temps que le série animée, par exemple. Ça se passe plus tard. Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. D'accord. Bienvenue à la maison de fous, Batman. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme une fleur. Et maintenant, que la fête commence. Que la fête commence. Ouais, oh oui, mesdames, ça y est. Désolé pour cette interruption de votre programme. Il y a encore quelques secondes, j'allais tuer tous les gens de cette pièce avant de regarder la télé. Vous savez que j'aime accrocher. Tu vas piquer par la tête. Ce n'est que l'échauffement, Batou. Tout juste sorti de la prison de Blackgate avec une peine totale de 752 ans. Ding, ding, ding. C'est le round 2. Désolé, Batou, je dois filer. Je n'ai pas le droit à visiter des gens à plus. Ah, merde. J'ai oublié de parer. Il n'y aura plus qu'un trou à la place de la tête. Ah ouais, t'es sûr. Le système déraille. On est coincé. Le Joker contrôle les portes de sécurité. Je trouverai une solution. Gordon. Essayez de contacter le directeur. Dites-lui ce qui est arrivé. Je reviendrai. Ne fais aucune promesse en l'air, Patounet. C'est moi qui dirige l'asile. Tu iras là où je veux que tu ailles. C'est compris. Si tu crois que je vais te laisser filer... Bla bla bla. Le bla bla du héros. J'en ai marre de regarder ça. Pourquoi ne pas venir me chercher ?
D'accord, je sais pas si c'est être aussi bien. Bien sûr que c'en est un. Bon. On regarde les biographies maintenant. Si j'ai accéléré cette partie, c'est parce qu'elle n'était pas du tout intéressante. C'était purement de la lecture de biographie, voilà. Ouais, ça date quand même. Je crois que c'est même plus vieux que Marvel, les Detective Comics. Ouais, on va plus vite comme ça. Partout où cet arriva, on est sûr que la mort le suit. Tous les patients doivent prendre leurs médicaments chaque jour aux heures prescrites. Attention, brèche de sécurité au niveau B3. Attention, brèche de sécurité au niveau B2. Attention, brèche de sécurité au niveau B8. Oui, je suis en train de spam cliquer, ouais. Et lui, il a les os qui ressortent de la tête, c'est assez gros. À moins que ce soit ses cheveux, mais. Hey, Batman! Par ici! Attendez. 5/5, quoi de neuf? Le Joker s'est échappé. Il est en liberté dans Arkham. Besoin de quelque chose? Mon père est toujours là. Le commissaire Gordon est sauf. Le Joker n'est pas très loin. Je resterai en contact. Et donc là, on va regarder la biographie d'Oracle, parce qu'elle est assez importante, elle est assez intéressante. Voilà, Barbara Gordon est la fille du commissaire James W. Gordon, un père très protecteur qui lui a toujours interdit de rejoindre la police de Gotham. C'est ce qui l'a poussé à prendre l'identité de Batgirl et à lutter contre le crime aux côtés de Batman pendant des années. Donc là, elle est devenue adulte. C'est celle qui, dans la série animée, pour ceux qui l'ont regardée, dès qu'elle a 16 ans, elle devient Batgirl. Malheureusement, tout s'est terminé quand le Joker lui a tiré dessus, la touchant à la colonne vertébrale. Paraplégique et coincée dans un fauteuil roulant, elle prit alors l'identité d'Oracle et met désormais ses talents informatiques au service de Batman, lui fournissant des informations en temps réel lorsqu'il est en mission. Maintenant, on va regarder. On ne sait pas son âge. Je dirais qu'elle a 30 ans. Donc il y a bien. Ouais, il y a bien 20 ans à peu près qui sont passés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Joker. Vous avez eu de la chance. Il a dû partir par là. La porte est maintenant bloquée. Je vais essayer de l'ouvrir. Besoin d'aide au service pacification. Je répète, besoin de renfort au service pacification. Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Je suis avec Batman. Non. Allô? Où sont-ils? Vous avez besoin d'aide? Non, je travaille mieux seul. Zaz est libre! Oh bon sang! Il a Mike! Franklin, tu m'entends? Si oui, les renforts sont en route. Hop, du coup, on doit aller voir au niveau de Zaz qui a retenu Mike. C'est Zaz. Il a Mike. Il est attaché à la chaise. Zaz a complètement perdu la boule. Attendez là. Impossible. Il tuera Mike s'il voit quelqu'un s'approcher. Il ne me verra pas. Si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une chauve-souris, un garde-meur.
Vous m'entendez? Regardez ces salauds crier. S'il vous plaît, vous devez le sauver. T'inquiète pas. Laisse-le filer. Ouais, il a sorti, regardez ces salauds crier. C'est un bâtard. D'accord. Donc en fait, là, ce que je viens de faire, c'était inutile. C'est encore inutile. Combien de fois vais-je devoir le dire? Gardez vos distances ou ce petit cochon. Zaz a pris mon ami. Il va le liquider. Aidez-le. Pitié. Faites diversion. Je dois me placer derrière lui. Arrête. Je dois m'approcher suffisamment de Zaz pour attaquer. Ces vieilles gargouilles doivent pouvoir supporter mon poids si je grimpe jusqu'à elles. Et encore ça. Donc là. Boum, et là. C'est à terre, mais pas pour longtemps. Bien. On m'approche. On ramène cet animal dans sa cellule. Est-ce qu'on m'entend? Ce truc fonctionne? Oh, salut Batman, ici c'est Harley Quinn. Est-ce que tu aimes mon nouvel uniforme? Non, tu crois? Sexy, pas vrai? Oh, et j'ai quelque chose à te montrer. Une seconde, Batman. C'est moi qui remplace le vieux maintenant. Le vieux Sharpie est vraiment très content. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui le Joker prépare une grande fête et tu es l'invité d'honneur. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman, mais pas question. Les prisonniers dirigent l'asile maintenant. En fait, il s'agit des sbires du Joker venus de Blackgate. Enfin, tu vois le genre, hein. Allez, salut. D'accord. Batman, vous m'entendez? Oracle, je suis là. L'asile d'Arkham vient de disparaître du réseau. Il contrôle le système de sécurité. Il l'a probablement isolé de la grille. Et ce n'est pas tout. D'après les rapports de police, il a placé des bombes partout dans Gotham. Il dit qu'il les déclenchera si quelqu'un se rend sur l'île d'Arkham. Pour l'instant, c'est top secret. Mais l'affaire peut éclater au grand jour à tout moment. Il ment. Ce n'est qu'une diversion pour tenir les gens éloignés. Comment le savez-vous? Je le connais. La salle est verrouillée. Je ne peux pas ouvrir la porte. On est coincé là-dedans. Essaye la radio. La salle de commande devrait pouvoir fermer la porte. Harley croit m'avoir piégé dans cette chambre. Elle n'a jamais été très intelligente. C'était assez impressionnant. Vous m'entendez? Tout va bien aller. De quoi vous rappelez-vous? Zaz vous avait attrapé, mais tout est sous contrôle maintenant. Je devrais scanner la pièce, chercher une sortie. Ouais, je sais, mais... J'ai écouté le dialogue et en fait, elle parle toute seule, la pauvre. Voilà. Un petit peu de spam, ça marche bien. Une sortie. Pourquoi Batman il l'a posé? Il n'y a personne, Batman, qui peut le griller. Je vous connecte à la radio des gardes. Steve, d'autres prisonniers de Blackgate, au niveau de la chaudière. Qui c'est ça, derrière eux? Oh mon dieu, c'est le Joker, il est libre. Comment s'est-il échappé? La communication est coupée. Un coup ça marche et un coup non. Ça ne va pas. Je continue d'essayer. Le mystère, on verra c'est plus tard. Non, attends-moi. Ouais, par contre, il a fait comment pour lui passer les... Ah, les décontaminations. Toxines. C'est verrouillé. Ah non, d'accord. Mort, il ne sort. Bon sang, ils sont coincés là-dedans. Écoutez bien, il rigole. Mais c'est quoi ce bordel? La toxine du Joker. Écoutez, la pièce est pleine de gaz toxique. Voilà, quiconque est pris dedans est mort. Vous allez entrer et les aider, Batman? Bah oui. Ton avis. Oh, oh bordel! Mais pourquoi ils font ce bruit? Si il rigole, c'est parce que c'est la toxine du Joker et ça te fait rigoler. Ce n'est pas qu'une simple tentative d'évasion. Le Joker avait tout planifié.
Aidez-moi! Vous serez en sécurité. Restez ici. Batman est là. Tiens encore un peu, Steve. Je peux pas! Je vais tomber! Je pars à la recherche de l'animal qui a fait ça. Batman, le système de ventilation! Steve, essayez d'atteindre le panneau de commande au bout de la pièce! J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé là, espèce d'enfant. Là, regardez, vous êtes prêts? Allez, hop. Et ça, ça fait de l'expérience en plus. Et ça, c'est cool. Il y a le poste de commande du ventilateur. Un batarang bien lancé devrait lui fournir l'énergie nécessaire. Déjà, lui, ferme sa gueule. Attention, l'accès à la salle de décontamination est maintenant autorisé. Youhou! Allez, Batman, vous déchirez! Le Joker n'a aucune chance! Attendez, on va voir. Ah, ils sont quand même bien dessinés. Ça, c'est bête, en rapide. Qu'est-ce que tu attends? Je suis si près que tu peux presque me sentir. Oh, il a traversé. What? Ses yeux, ils sont devenus brillants pendant une minute. Et donc là, y'a rien. Ok, donc j'ai fait un tour pour rien. Et j'ai fait plus que ce que je voulais faire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire savoir si vous voulez la suite de ce let's play. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse les let's play sur les trois premiers jeux. Sur ce, j'espère que vous... Ah merde, ça je l'ai déjà dit. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Yeah.